Nous devons travailler. We must work. Et chacun doit être engagé. And each one must be committed. Pour être engagé, il faut te connaître toi-même. To be committed, you must know yourself. Il faut connaître tes talents naturels. You must know your natural talents. Et il faut connaître tes dons spirituels. And you must know your spiritual gifts. Chaque individu, chaque frère a un ministère personnel. Every individual, every brother has a spiritual ministry. Il n'y a aucun frère qui n'ait pas de ministère personnel. There is no brother who does not have a personal ministry. Ton ministère personnel vient de tes dons et tes talents naturels. Your spiritual ministry comes from your gifts and your talent. Si tu analyses tes dons spirituels, if you analyze your spiritual gifts, et tu analyses tes talents, and you analyze your talents, la somme te montrera quel est ton ministère. The total will show you what your ministry is. C'est avec ton ministère and it is, que tu trouves le but de Dieu dans ta vie. And it is with your ministry that you find the goal of God for your life. Pourquoi est-ce que je parle de trouver le but de Dieu dans ta vie? Why am I talking about finding the goal of God for your life? Dans une œuvre normale, in a normal work, il y a au sommet, at the top, un apôtre. There is an apostle. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Read for us 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. God has appointed in the church first of all apostles. Si tu as le discernement, if you have discernment, tu peux savoir que telle église n'est pas sous autorité apostolique. You can know that such a church, this church, is not under the apostolic leadership. Dans les desseins de Dieu, in God's purposes, les apôtres, apostles, sont les premiers, are first. Il s'agit ici des apôtres de Dieu, pas ceux qui s'autoproclament. We are talking here about God's apostles, not those ones who proclaim themselves. Mais qu'est-ce qu'on remarque? But what do we notice? Certaines personnes ont senti qu'elles sont animées d'un grand désir de servir Dieu. Some people notice that they are filled with a great desire to serve God. Et elles ont déduit que Dieu les appelait à créer une église. And then they deduced that God had called them to create a church. C'est une erreur. It's an error. Il y en a qui ont senti que l'œuvre de Dieu les attirait. Some felt that the work of God was drawing them. Et qu'ils avaient des dispositions favorables au ministère. And that they had favorable dispositions towards ministry. Et ils ont compris que ils devaient créer une église. And then they understood that they had to create a church. Ils sont partis à l'école pastorale. They went to the pastoral school. Ils sont sortis pasteurs. And they came out pastors. Ils ont créé une église. And they created a church. Au-dessus d'eux, il n'y a personne. Above them, there is no one. Ils sont pasteurs. They are pastors. Tout s'arrête là. And it ends there. Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. In the church, God established first apostles. Une œuvre normale a une autorité apostolique au-dessus d'elle. Has an apostolic authority over it. Que personne ne nous trompe. That no one deceive you.
Et les autres alors? And then the others. La Bible dit, the Bible says, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. The Bible says, as good dispensators of the grace of God, let each one put at the service of others the gift that he has received. Si tu es pasteur, if you are a pastor, cherche un apôtre vrai. Look for a true apostle. Tiens-toi avec lui. Stand with him. Et serve Dieu. And save God. Tu es un évangéliste. You are an evangelist. Cherche un apôtre vrai. Look for a true apostle. Tiens-toi avec lui. Stand with him. Serve Dieu. And serve God. Tu es un docteur. You are a teacher. Cherche un apôtre vrai. Look for a true apostle. Tiens-toi avec lui. Stand with him. Serve Dieu. And serve God. C'est ce que nous autres nous avons fait. That is what we have done. En 1990. In 1990, j'ai évalué mes talents naturels. I evaluated my natural talents. J'ai évalué mes dons spirituels. I took stock of my spiritual gifts. J'ai dit, and I said, je veux me tenir sous l'autorité du professeur Zacharia Stanifumum pour l'aider à conquérir le monde pour Christ. I said I will stand with the professor Zacharia Stanifumum to help him to conquer the world for Christ. À l'époque, j'étais fonctionnaire. At that time, I was a civil servant. J'ai mis acte 1. I put point number 1. Déjà un cahier, j'appelle ça mon manifeste pastoral. I had a book which I called my pastoral manifesto. J'ai écrit acte 1. I wrote act 1. En tant que fonctionnaire, as a civil servant, je me soumettrai à toute personne. Si on m'affecte dans une localité, je me soumettrai à toute personne qui est loyale au professeur Fomo. I said, if I'm posted to a locality, I'll submit myself to anybody who was sent by Professor Zacharia Stanifumu. Je ne m'étais pas encore engagé dans l'entreprise missionnaire. I'd not yet committed myself to the missionary enterprise. Donc je savais que les fonctionnaires, on les affecte toujours. So I knew that the post civil servants always. Donc je m'étais dit, si on m'affecte dans une localité où il n'y a pas d'église. So I told myself that if I'm transferred to a locality where there's no church. Où la CMC n'a pas encore planté une église. Where CMF has not yet planted a church. Je serai la personne qui implanterait l'église là-bas. I'll be the person who plants the church there. Si je trouve qu'une église de la CMC y est implantée. If I find that a church of CMF has already planted, je me soumettrai à la personne qui l'a implanté. I would submit myself to the person who planted it. Parce que cette personne-là est en train d'aider le professeur Fomum à gagner le monde pour Jésus-Christ. Because that person will help Professor Zacharia Stanifumum to win the world for Jesus Christ. Et c'est pour cette raison que le professeur Fomum nous a envoyé le représenter en Côte d'Ivoire. That is why Professor Fomum sent us to represent him in Côte d'Ivoire. Quand nous sommes arrivés, il y a des gens qui voulaient travailler avec moi. When we came, there were people who wanted to work with me. Je leur disais que non, moi je ne travaille pas avec les gens, je suis un faiseur de disciples. I told them no, I don't work with people. I am a disciple maker. La formation qu'on nous a donnée dans l'œuvre de Zacharia Stanifumum consiste à former les gens nous-mêmes. That is the training that we received in the ministry of Professor Zacharia Stanifumum enables us to build up people by ourselves. Donc, je suis un bâtisseur d'hommes. So I'm a builder of men. Donc l'œuvre que nous allons implanter sera dirigée par des âmes que nous allons gagner et que nous allons bâtir en Jésus. So the work that we are going to build will be led by men that will win and will build them up in Christ. Si tu as un don, if you have a gift, ne cours pas créer une œuvre. Don't run to go and create a work. Si tu es un vrai enfant de Dieu, je parle ici aux vrais enfants de Dieu. If you are a true child of God, I'm talking here to true children of God. Ce message n'est pas pour les gens qui, les bandits qui veulent gagner l'argent, parce qu'ils vont même me chasser. S'ils apprennent que je dis ce que je dis là, ils seront très en colère. Je parle ici aux vrais enfants de Dieu. This message is not for those robbers who are looking for money, because if they hear what I'm saying, they will run away. I'm talking to true children of God. Parce que ce que je dis peut enlever le pain de la bouche de quelqu'un. Because what I'm saying can take away bread from someone's mouth. Donc je ne parle pas à ceux-là.
Mais je, si Dieu t'a appelé, if God has called you, si tu reconnais que l'esprit de Jésus t'anime, if you acknowledge that the spirit of Jesus is at work in you, c'est à toi que Dieu parle. I'm talking to you. God is talking to you. Dieu te dit, God is telling you, le don que tu as là, that that gift that you have, ce n'est pas pour créer une boutique, c'est pour te donner ça à quelqu'un qui est élevé au-dessus de toi. It's not to go and create your own, but it is to give it at the service of someone who is above you. Ça doit être solennel, sincère. It must be solemn and sincere. La Bible parle des gens qui sont partis avec sincérité de cœur pour aider David à s'établir comme roi. The Bible talks of people who went with sincerity of heart to go and establish David as king. Ce sont des engagements sérieux. These are serious commitments. Et que Dieu approuve. Which God approves. C'est pour cette raison que j'ai dit que la personne cherche. That's why I say the person should seek. Sinon, l'apôtre, lui, ne cherche pas. Il a ça comme une mission. For the apostle, he doesn't seek. He has it as a mission. Dieu lui révèle son appel dans toutes les dimensions. God reveals his call to him in all the dimensions. Le Seigneur a dit à Paul, je te montrerai les choses que tu vas souffrir. God told Paul, I'm going to show you things that you're going to suffer. Il lui a donné le message qu'il devait prêcher. He gave him the message he had to preach. Et il lui a montré le coût que ça ce que ça devait lui coûter. And he showed les souffrances. And he showed him what had to cost him, the suffering. Les souffrances que son obéissance devait engendrer. The suffering that his obedience had to bring forth. Il savait. He knew. Il disait aux disciples un jour que je sais que des liens et des tribulations m'attendent à Jérusalem. He told the disciples one day, I know that trials and tribulations await me in Jerusalem. Comme le Seigneur lui avait révélé. As the Lord had revealed to him. Il savait. He knew. Ces vérités sont tellement importantes que si tu les as entendues, tu t'assois très bien et tu te réjouis. These truths are very important. If you have heard and understood them, you sit and then you rejoice. Il y a une joie divine d'être dans une structure soutenu par l'Esprit de Dieu. There is a divine joy to be in a structure that is supported by the Spirit of God. Si je laisse la vision du professeur Fomum, if I leave Professor Fomum's vision, je crée une boutique. And I create a provision store. Même si ça prospère, even if it prospers, Dieu n'est pas dedans. God is not there. Quand le professeur Fomum a été rappelé auprès du Seigneur, when Professor Fomum was called to be with the Lord, il a laissé un fils spirituel. He left a spiritual son. Il faut craindre ceux qui se recommandent eux-mêmes. You should fear those who recommend themselves. Si vous avez un père de famille, if you have a family head, s'il dit voici mon successeur, and he says this is my successor, si un autre fils dit que non, moi aussi, if another son says no, myself, moi aussi je suis fils, I am also a son. Tu as tu peux suivre qui tu veux. You can follow who you want. Mais sache que divinement, but know that in a divine way, on ne suit pas la personne qui se nomme elle-même. You don't follow the person who appoints himself. Cherche toujours parmi les deux qui a été recommandé. Among the two, you should look for the one who was recommended. Même s'il est faible, even if he's weak, même si c'est un bébé, even if he's a baby, 6 ans, 6 years old, il faut le suivre. Follow him. Tu as une couverture divine. You have a divine covering que l'obéissance, la loyauté te confère. That obedience and loyalty confers on you. Car tu connais tes dons, when you know your gifts, tu connais tes talents, and your talents. La deuxième chose, the second thing, c'est je peux donner ça à qui? To whom can I give this? Dans mon premier engagement, je n'ai pas dit que je vais directement chez le professeur. J'ai cherché quelqu'un qui lui était soumis. In my commitment, I did not say I will go directly to the professor. I looked for someone who was submitted to him. Un jeune frère peut s'engager auprès du dirigeant de son assemblée. A young brother can commit himself to the leader of his assembly. Je vais t'aider à conquérir le quartier. I want to help you to conquer the neighborhood. Pendant que son dirigeant
est venu s'engager auprès de moi. While his leader comes and commits himself to me. Que je vais t'aider à gagner la ville, à conquérir la ville. That I'll help you to conquer the city. Et qu'un autre vient s'engager. Another one comes and commits himself. Selon ses dons. According to his gifts. Et je vais t'aider à gagner la nation. Et ainsi de suite. That I'll help you to conquer the nation and so on. Si bien que après tout, on ne trouve personne qui est seul, isolé, égoïste. So that at the end of it all, we don't find someone who is alone, isolated, and selfish. Lis pour nous Néhémie chapitre 3. Read for us Nehemiah chapter 3. Verset 1. À partir du verset 1. From verse 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib, bâtit les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénat. C'est bon, etc. Ici, here, les enfants d'Israël sont en train de réparer la muraille de Jérusalem. The children of Israel are repairing the walls of Jerusalem. Ce qu'on constate, what we realize, c'est que chacun, d'abord, il y a une classe dirigeante. First of all, there is a leadership class. Et puis, il y a des gens qui viennent les soutenir. And there are people who came to help them. Donc à côté de. So they were doing it together. Each one had people by him. Donc tu es à côté de qui? So by who are you working? Et tu fais quoi? What are you doing? Ça, ce sont des messages pratiques. These are practical messages. Et la Bible est cohérente du début jusqu'à la fin. And the Bible is coherent from beginning to end. Et c'est cette doctrine que l'apôtre Pierre évoque dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. And this is the doctrine that the apostle Peter is talking about in 1 Peter chapter 4 verse 10. Que chacun de vous that each one of you mette au service des autres put at the service of others le don qu'il a reçu. The gift that he has received. Et Eliashib, le souverain sacrificateur, avec ses frères les sacrificateurs bâtirent la porte des brebis. Leadership of the high priest with his brethren the priest building the wall. Ce qu'ils ont fait est connu. That which they did was known. La personne qui s'est tenue avec eux est connue. The person that was by them was known. Il faut qu'on te connaisse. You must be known. Et qu'on connaisse ce que tu fais. And what you do must also be known. Auprès de qui? And by whom? Même si tu es à la CMCI. Even if you are in CMFI. Et que tu n'as pas donné ton soutien d'une manière claire. Tu n'es pas dans la vision. And you have not given your support in a clear way, you are not in the vision. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Donc l'apôtre a la vision globale. So the apostle has the global vision. Les autres vont auprès de lui recevoir le travail. The others go towards him to receive the work. Ils n'ont même pas besoin de gêner pour connaître leur but. Ils s'en vont lui demander, il dit, je suis là. They don't even need to fast. Je to know évangéliste. Their goal. Je suis évangéliste. Me voici. They just go towards him and say, yeah, I'm an evangelist. J'ai dit au frère, je suis pasteur. I told Brother Zach, I'm a pastor. Je lui dis, j'ai le don d'enseigner, j'ai le don d'exhortation. I told him I have the gift of teaching, I have the gift of exhortation. J'ai cité mes talents. L'un des talents était la marche. Je marche à pied pendant des heures et rapidement. I cited my talents. And one of my talents is that I can walk on foot for a long distance and quickly. Si tu me dis va peut-être à Benoît, je ne vois pas que c'est loin. Je sens qu'il y a la force dans mes pieds. If you tell me to go to Benoît, I don't see that it's far. I just feel strength in my feet. Et ça m'a beaucoup aidé dans le ministère pastoral. And it helped me so much in my pastoral ministry. Là, tu n'as pas besoin de beaucoup de taxis. There you don't need taxis a lot. Parce que les pieds sont légers et solides. Because your feet are light and solid. Si vous allez à Douala, vous aurez le témoignage. You have the testimony.
Si vous allez à Yaoundé, vous aurez le témoignage. If you go to Douala, you have a testimony. You go to Yaoundé, you have a testimony. Et il faut se connaître. Il faut pas laisser le diable te parler de toi-même. Tu dois te connaître. You should know yourself. Don't let the devil talk to you about yourself. Know yourself. Si tu écoutes Satan, il va te tromper. If you listen to Satan, he will deceive you. Il va te dire que tu ne sais rien. Va à la maison. He will tell you you know nothing. Go home. Tu dois être convaincu que tu as reçu quelque chose de Dieu. You must be convicted that you received something from God. Parce que ce que Dieu donne se manifeste. Because what God gives manifests itself. L'œuvre de Dieu révèle et elle se révèle. God's work reveals and it is revealed. Quand Dieu anime, on sait que Dieu anime. When God is at work, we know that God is at work. Tu dois connaître tes dons. You must know your gifts. Je lui dis, j'ai écrit que j'ai le don de parler en langue. I wrote that I have the gift of speaking in tongues. Diverses langues. In different tongues. Le Seigneur m'a béni, je ne parle pas une seule langue. Da. Il faut prier que Dieu envoie une deuxième langue, une troisième langue. God bless me, I don't only speak in one tongue. You should pray that God should bless you with several tongues. Il y a des mélodies que j'ai reçues après avoir prié en langue. Le chant était en langue, la mélodie est restée. La langue est para vers Dieu. There are melodies I received while praying in tongues, and the melody stayed. The tongues went to God. Si tu parles en langue sans interpréter, demande l'interprétation. If you speak in tongues without interpreting, ask God for the interpretation. J'ai reçu le don de prophétie étant missionnaire. I received the gift of prophecy as a missionary. Parce que j'ai demandé à Dieu. Because I asked God. J'ai dit à Dieu. I told God. Je vais en mission. I'm going to the mission field. Je vais envoyer les missionnaires. I'm going to send missionaries. Je vais bénir les mariages. I'm going to bless marriages. Le frère Zach prophétise quand il bénit les gens. What does Zach prophesy when he blesses people? Oh, donne-moi le don de prophétie. Oh, give me the gift of prophecy. Un jour, one day, je pose les mains sur quelqu'un. I laid my hands on someone. La prophétie est libérée. And the prophecy was liberated. J'ai rendu grâce à Dieu. And I thanked the Lord. Et quand le chemin est frayé, ça devient, tu connais déjà le chemin. And once the way is made clear, you already know the way. Étant missionnaire maintenant, as a missionary, et avec la croissement de l'œuvre, and with the growth of the work, le Seigneur m'a ajouté deux autres dons. The Lord added to me two other gifts. La parole de sagesse et la parole de connaissance. The word of knowledge and the word of wisdom. Quand nous allons donner les définitions, vous comprendrez comment ces dons fonctionnent. When we are going to give the definitions, you know how these gifts operate. Et vous connaîtrez leurs avantages. And you know the advantages. Dans le ministère d'un enseignant. In the ministry of a teacher. Que le diable ne te trompe pas. May the devil not deceive you. Il y a des frères, tu leur demandes quel est ton don, ils disent bon, je ne sais pas. Your brethren, when you ask what is your gift, certains savent, mais ils disent qu'ils ne savent pas. Le diable est content. Some know, but they say that they don't know. Ce n'est pas l'humilité. The devil is happy. It's not humility. L'humilité ne consiste pas à te renier toi-même. Humility does not consist in denying yourself. Ou à ne pas sanctifier le nom de Dieu. Or in not hallowing the name of the Lord. Les démons donnent les dons de divination. Il faut sanctifier Dieu. Tu dis, le Seigneur m'a donné le don de prophétie. Satan gives the gift of divination to his people. But you should be proud and say, God has given me the gift of prophecy. Il ne faut pas que les sorciers se réjouissent des dons sataniques. Toi, tu as les dons de Dieu et puis ça ne te dit rien. Witches should not rejoice about the gifts, the satanic gifts that they have, and you have spiritual gifts and you cannot rejoice over them. Et tous les enfants de Dieu, all children of God, ont au moins un don spirituel. Have at least one spiritual gift. Chacun, au moins un. Each one, at least one. Si tu ne l'utilises pas, c'est qu'il est enterré. Ce n'est pas qu'il y en a, tu l'as enterré. If you don't use it, it is that it is buried. It is not that it doesn't exist. Tous ceux qui pensent qu'ils n'ont rien sont ceux dont les dons sont enterrés dans la paresse et l'ignorance. Those who think that they have nothing are those whose gifts have been buried by laziness and ignorance. Lis-nous le premier verset de 1 Corinthiens 12. Read for us the first verse of 1 Corinthians chapter 12. Le même jusqu'au verset 4. Can go right up to verse 4. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes
selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Ce qui est frappant ici, c'est « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. » What is striking here is, we do not want you to be ignorant about spiritual gifts. Quand nous étions dans le monde, when we were in the world, on consultait les fétiches, les devins. We used to consult fetish men and diviners. Maintenant, now, l'Église a reçu des dons. The church has received gifts. Pour le fonctionnement du corps de Christ. For the functioning of the body of Christ. Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Paul says, do not be ignorant. Il y a beaucoup de dons, divers dons. There are many gifts, diverse gifts. Dis Seigneur. Say Lord. Fais-moi connaître mes dons spirituels. Make me to know my spiritual gifts. Et quand il va te révéler. And when he reveals them to you. Mets au service de quelqu'un. Put them at the service of another. Ne dis pas, je prends une petite retraite pour voir là où Dieu va me conduire. Don't say I'm taking a retreat to see where God will lead me. Ça c'est la séduction. That is deception. Les dons, gifts, sont investis dans la vie des grands apôtres. Are invested in the lives of great apostles. L'apostolat ne vient pas par addition des dons. Apostleship does not come by addition. L'apostolat vient par élection. Apostleship comes by election. Moïse était élu. Moses was elected. L'élection, c'est par grâce absolument et par miséricorde. Election is by grace in an absolute way and mercy. Ce n'est pas un concours. It's not a competition. Il y a plusieurs catégories de dons. There are different categories of gifts. Ou alors plusieurs classes. Or different classes. La première classe, the first class, c'est les dons d'hommes. The gifts of men. Les êtres humains que Dieu donne à l'Église. That is human beings that God gives to the church. Les apôtres, les prophètes, apostles, prophets, les pasteurs et docteurs, pastors, teachers, les évangélistes, evangelists, ce sont des individus. These are individuals. Des personnes, people, que Dieu donne à l'Église. That God gives to the church. On les appelle aussi les dons relatifs au ministère. We call them gifts with regards to ministry. Ministry gifts. Après, il y a les dons relatifs à la parole, à la proclamation de la parole. There are gifts which are relative to the proclamation of the word. Il y a la parole. There is the word. De sagesse. The word of wisdom. La parole de connaissance. The word of knowledge. L'enseignement. Teaching. Et l'exhortation. An exhortation. Les dons relatifs au ministère de la parole. So gifts that are relative to the ministry of the word. Les premiers sont des dons relatifs au leadership, au ministère. C'est-à-dire que quand tu es apôtre, ton ministère est en même temps défini. The first category are those which are relative to ministry. That is, if you are an apostle, your ministry is defined. Troisième classe. The third class. Les dons relatifs à la révélation. Gifts relative to revelation. Il y a la prophétie. There is prophecy. Il y a le discernement des esprits. There is discernment of spirits. Il y a les langues et l'interprétation des langues. There is tongues and the interpretation of tongues. Quatrième classe. The fourth category. Les dons relatifs à la manifestation de la puissance de Dieu. Gifts relative to the manifestation of the power of God. Les dons relatifs à la manifestation de la puissance de Dieu. Gifts relative to the manifestation of the power of God. Il y a le don d'opérer les miracles. Gifts to operate miracles. Il y a le don de foi. Gifts of faith. Il y a le don de guérison. Gift of healing. Cinquième classe. Fifth class. Les dons relatifs
au fonctionnement ou à l'organisation de l'église. Gifts relative to the functioning or the organization of the church. Les dons relatifs au fonctionnement ou à l'organisation de l'église. Gifts relative to the functioning or the organization of the church. Il y a le don de gouverner. There is gift to govern. Il y a le don de secourir. The gift of help. Il y a le don de miséricorde. The gift of mercy. Il y a le don de service. The gift of service. Le don de libéralité. The gift of giving, giving freely. Romains chapitre 12. Romans 12. Du verset 1 au verset 8. From verse 1 to verse 8. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthians 12. Vous pouvez travailler sur tout le chapitre du verset 1 au verset 28. You can work on the entire chapter from verse 1 to verse 28. Ephésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4. Du verset 10 au verset 13. From verse 10 to verse 13. Donc, en lisant ces passages, vous verrez tous les dons cités. So, reading this passage, you see all these gifts cited. Nous allons donner une définition très brève de chaque don. We are going to give a brief definition of each gift. Le but, c'est que chacun sache qui il est et ce qu'il peut faire. The goal is that each one should know who he is and what he can do. L'apôtre est une personne qui a reçu du Seigneur une autorité sur les églises locales. The apostle is someone who has received from God the authority over local churches. Ce n'est pas qu'il implante seulement, même des autres églises reconnaissent spontanément son autorité. It is not that he only plants, but other churches acknowledge his authority. Même les églises qu'il n'a pas implantées reconnaissent spontanément son autorité. Churches that he did not plant also acknowledge his authority. Il y a eu une période où les gens écrivaient aux frères que envoie-nous les gens pour nous former. There was a time when people wrote to Brother Zach telling him to send people to come and teach them. Le missionnaire, notre dirigeant du Bénin, a trouvé les feuilles arrachées d'un livre. C'était quel titre? Retraite pour le progrès spirituel. Il a trouvé les feuilles, il a lu une page d'une feuille arrachée du livre. Il a commencé à chercher le frère Zach, il est parti au Cameroun. Our leader of the church in Benin had the pages, found the pages of the book Retreats for Spiritual Progress, and he read it and went right to Cameroon to look for Brother Zach. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. This is the work of the Holy Spirit. L'œuvre au Gabon, c'est la même chose. The work in Gabon is the same thing. C'est quand les gens ont commencé à écrire au frère il dit un jour, quelqu'un lui a écrit que bon, envoie-nous quelqu'un qui va nous enseigner comment on devient disciple pendant 6 mois. Et il leur a répondu qu'on ne forme pas un disciple en 6 mois. He said it's when some people wrote to him and said, send us someone to come and teach us how to be disciples for a period of 6 months. Then he wrote back and said, we don't train someone into a disciple for 6 months. Donc, c'est quelqu'un à qui Dieu ouvre les portes des nations pour l'implantation des églises. So it's someone to whom God opens the doors into nations for the planting of churches. Pas qu'il va aller discuter pour s'imposer. C'est-à-dire, les gens lui donnent leur vie, dirige-nous. Not that d'une manière spontanée. Not that he is going to go there to argue. People give him their lives. That lead us in a spontaneous way. Certains apôtres, les premiers apôtres sont partis envoyés par Jésus lui-même. The first apostles went out as sent by Jesus himself. Après ça, le Saint-Esprit a envoyé d'autres apôtres. After that, the Holy Spirit sent out other apostles. Comme l'apôtre Paul, par exemple. Like Apostle Paul, for example. Vous notez que le prophète. Note that the prophet. C'est quelqu'un, en fait, c'est un grand enseignant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. In fact, he is a great teacher. That's what. Certains apôtres, les premiers apôtres sont partis envoyés par Jésus lui-même.
The first apostles went out as sent by Jesus himself. Après ça, le Saint-Esprit a envoyé d'autres apôtres. After that, the Holy Spirit sent out other apostles. Comme l'apôtre Paul, par exemple. Like Apostle Paul, for example. Vous notez que le prophète. Note that the prophet. C'est quelqu'un, en fait, c'est un grand enseignant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. In fact, he's a great teacher. That's what people don't understand. Il a un ministère d'enseignement qui révèle facilement les mystères de Dieu. He has a teaching ministry that reveals the mysteries of God in an easy way. Il fonctionne au-delà de mon fils. Ainsi parle l'Éternel. He operates above the level of my son. Thus says the Lord. Ça, c'est le don de prophétie. That is the gift. Mais le prophète, en tant qu'un individu, quand il prend la parole, on écoute son enseignement, on constate que son enseignement ouvre les yeux sur des grands enseignements cachés. But the prophet as a person, when he takes the floor to teach, we understand from his teaching. That his teaching opens the way for us to understand hidden truths. Les enseignements comme l'église. Teachings like the church. C'est un mystère caché. It's a hidden mystery. Si tu n'as pas le don, si tu n'es pas prophète pour enseigner d'une manière prophétique, tu ne peux pas parler de l'église comme Paul en a parlé. If you are not a prophet to speak in a prophetic way, you cannot teach on the church like Paul taught. Et vous savez que Paul avait un grand don prophétique. And you know that Paul had a great prophetic gift. La plupart des choses qui lui arrivaient, il avait déjà vu. Many of the things that happened to him, he had already seen them. Le don de prophétie consiste à donner un message que Dieu te donne à son peuple. The gift of prophecy consists in giving a message that God gives you for his people. Mais le prophète parle et enseigne de manière à ce que les écailles tombent, les mystères soient connus. But the prophet speaks and teaches in a way that scales fall off and mystery is known. Bien sûr, il prophétise, il exhorte, il enseigne, mais ce qui caractérise son enseignement, c'est cette capacité de connaître les mystères de Dieu et de les enseigner aux gens. For sure, he prophesies, he teaches, and he exhorts. But what characterizes his gift is this ability to know the deep things of God and then communicate it to men. Et vous avez constaté que quand je parlais d'apostolat, je n'ai pas montré ses capacités par rapport à la parole ou par rapport à la prière. J'ai seulement dit que Dieu lui ouvre les portes des nations pour l'implantation des églises. You notice that when I was talking about the apostle, I did not talk about his capacities as regards to the word. But I talked about the fact that God opens doors for him into nations for the planting of churches. Pourquoi? Why? Parce que les apôtres sont pris parmi les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs. Because apostles are taken, apostles are taken from the midst of teachers, pastors, prophets. Dieu peut faire d'un évangéliste un apôtre, il peut faire d'un pasteur un apôtre, il peut faire d'un docteur un apôtre, il peut faire d'un enseignant un apôtre. God can make an evangelist an apostle, he can make a teacher an apostle, he can make a prophet an apostle, he can make a pastor an apostle. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de prophètes et de pasteurs dans l'église, dans la church. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est parmi les pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes que Dieu prend quelqu'un, il l'envoie et il devient un apôtre. Mais les dons initiaux sont là. The Bible says in the church in Antioch, there were many teachers and prophets, but God said, set aside Saul and Barnabas for the work of the ministry. So in the midst of people, there can be many gifts, but God takes the apostle from those people and sends them out. Le pasteur, c'est qui? Who is the pastor? C'est quelqu'un qui a reçu de Dieu une capacité surnaturelle de,
donner sa vie à long terme pour les brebis. Is someone that God has chosen to give his life in the long run for the life of the flock. Donc un pasteur n'est pas itinérant, il ne se promène pas de ville en ville. So a pastor is not a roving person. Il he doesn't move from town to town. Il a un troupeau. He has a flock. Et il se donne à ce troupeau-là. And he gives himself to that flock. Vous verrez donc que la plupart des jeunes gens qui ont décidé d'avoir le troupeau à Abidjan ne se promènent pas, ne vont pas à l'étranger faire chercher les doctorats. Ils sont là, on les voit, on les salue. You see that young people have, ils dirigent, ils suivent les âmes. You see the young people who have given themselves as pastors in the city of Abidjan don't go out, they don't go to go and look for doctorate degrees. They are there, we see them going after souls. La même chose peut arriver à un fonctionnaire. Un fonctionnaire peut dire, je ne bouge plus, je suis là. The same thing can happen to a civil servant. He can say, I'm not moving anymore, I'm here. Avec toutes les conséquences. With all of the consequences. Vous soulignez bien à long terme pour que personne ne se trompe. Les brebis aiment les gens qui seront toujours là. You should underline the fact that it is long term. The flock love people who will always be there. Bon, c'est une autre manière de vous dire que je suis là, nous sommes là. It's a way of telling you that I am here and that we are here. Alors si toi aussi tu es là, lève-toi, tu dis je suis là avant qu'on ne continue. Tu cries en haute voix. Non, non, ce n'est pas, non, ce n'est pas comme ça. Un à un. One after another. Alors disons, nous sommes là. Quand c'est comme ça, les brebis sont contentes. When it's like that, the flock is happy. Une sœur m'a demandé, c'était en 96, est-ce que vous allez rentrer? A sister asked me, I think it was in 96, are you going to go back? Je lui ai dit que non. I told her no. Nous sommes là. Si Dieu nous appelle là, notre cimetière sera quelque part. I told her we are here. If God calls us, our graves will be somewhere. Our graveyard will be somewhere. Il a dit si c'est comme ça, je suis là. Je suis là. She said if it's like that, then I'm here. I'm there. Alléluia. Jésus-Christ. Il faut, quand vous allez rassurer les brebis, ne vivez pas comme des petits vagabonds. Les brebis, le temps de discerner si tu es vrai, ça le fatigue, ça les fatigue. Quand tu dis je suis là, frère, je suis là. When you go back, you should assure the flock that you are there. Don't make as a little vagabond that is very difficult to discern whether you are serious or not. Tu fais comme Jésus. Behave like Jesus. Je suis avec vous tous les jours. I am with you all the way. Ça nous donne l'assurance. Gives us assurance. S'il n'y avait pas ce verset-là dans la Bible, je ne sais pas ce que j'aurais. Parce que dès que l'ennemi m'attaque, je dis Jésus est là, Jésus est là. If that Bible verse wasn't there in the Bible, I don't know what that become of me. Because each time when the devil attacks me, I go back and say Jesus is there. Le docteur est un enseignant. The doctor is a teacher. Il est caractérisé par un grand amour pour la parole de Dieu. He's characterized by great love for the word of God. Il aime la parole de Dieu. He loves the word of God. Il obéit à la parole de Dieu. He obeys the word of God. Et il vit la parole de Dieu. And he lives the word of God. Et il enseigne la parole de And Dieu. He teaches the word of si quelqu'un enseigne ce qu'il ne vit pas, il n'est pas un docteur. If someone teaches what he does not live, he's not a teacher. L'évangéliste est caractérisé par une capacité de conduire les gens à Christ. The evangelist is characterized by capacity to lead men to Christ. Une capacité divine de révéler Christ aux gens. A divine capacity to reveal Christ to men. Il a un fardeau spécial. Il a la révélation du châtiment éternel. He has a special burden. He has a revelation of the eternal punishment. C'est comme le pasteur. Il a la révélation du prix d'une âme, de la valeur d'une âme. And like a pastor, he has the revelation of the price of a soul. Pauvre ou riche, ce n'est pas ça qui compte pour lui. Pour lui, dès qu'on dit âme, il est déjà emballé. Whether they are rich or poor, it doesn't count to him. When they just say soul, he's carried away. C'est pour cette raison qu'il se consacre à cette âme. Il dit, à cause de toi, je ne bouge plus. That is why he consecrates himself to that soul and says, because of you, I will not leave.
La parole de sagesse. The word of wisdom. Et là, écoutez ça très bien. Listen attentively, please. Le ministère de la parole est le premier ministère. The ministry of the word is the first ministry. C'est pour cette raison que les apôtres avaient dit qu'ils ne pouvaient pas laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. This is why the apostles said they could not leave the ministry of the word to serve food. Donc, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes ont une tâche, c'est servir le ministère de la parole et la prière. So, the apostle, the prophet, the teacher, the pastor, the evangelist have one task, is to serve in the word and in prayer. La parole de sagesse. I take it all over again, the word of wisdom. Et la capacité surnaturelle que Dieu donne à certains membres de l'église ou alors à certains membres du corps de Christ. It's a supernatural capacity that God gives to some members of the church or some members of the body of Christ. De connaître et d'enseigner les choses sur Dieu. To know and to teach things on God. Dans le passé. In the past. Le présent. The present. Et le futur. And in the future. De connaître et d'enseigner les choses sur Dieu dans le passé, le présent et le futur. To know and to teach the things about God in the past, the present and the future. Cette connaissance clairvoyante est différente de la connaissance historique pure et simple. This enlightened knowledge is different from simple historic knowledge. Par exemple, for example, le fait que Adam ait mangé du fruit de l'arbre défendu n'est pas une connaissance révélationnelle, donc n'est pas un mystère. The fact that Adam ate the fruit from the forbidden tree is not a mystery. Ça, c'est un fait historique. This is a historic fact. Mais si quelqu'un te dit, but if someone tells you, que Dieu a prévu, that God has planned, que les païens et les juifs et les païens vont former un corps qui s'appelle l'église, that the Jews and the Gentiles will form a body that will be called the church, et que l'église a des dons spirituels que Dieu lui donne pour servir, and that the church has spiritual gifts that God gives us to serve. Il est en train de te dire des choses, tu ne sais pas qui lui a enseigné ça. He is telling you things that you don't know who taught him. C'est ça qu'on appelle les mystères. That is what is called mysteries. Il y a deux dons qui rendent ça possible. There are two gifts that make it possible. La parole de sagesse, the word of wisdom, et la parole de connaissance, and the word of knowledge. Mais pour bien les définir, vous soulignez d'abord la parole. But to define them well, you must first of all underline the word. Une proclamation de la parole basée sur la révélation des mystères sur Dieu dans le passé, dans le futur. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. The capacity to teach on the mysteries of God, that is things in the past, the present and the future. That is what is called the word of knowledge. Quand la Bible dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça là, ce n'est pas une révélation historique. Ce n'est pas un fait historique. C'est une connaissance révélationnelle qui vient de la parole de connaissance parce que ça concerne l'homme. When someone says, at the sound of the trumpet, the dead in Christ shall rise. It is not something that comes from historic facts, but it is the word of knowledge because it talks about man. Si quelqu'un dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, là, ce n'est plus un fait historique. If someone says in the beginning, God created the heaven and the earth, there is no longer a historic fact. C'est qui lui a révélé ça? It's who revealed it to him. Alléluia. Alléluia. Qui a causé avec lui? Who discussed with him? C'est un mystère. It's a mystery. Même quand on te dit comment l'eau était, even when they tell tu ne comprends même rien. How the water was, you can't even understand. Donc, il y a des gens qui enseignent, et là, je crois à cet enseignement, que le livre de Genèse, par exemple, a été reçu par le don de la parole de sagesse. There are people who teach, and I believe, that the book of Genesis was received through the gift of knowledge. La parole de connaissance,
c'est quand tu reçois une capacité surnaturelle de connaître et d'enseigner les choses sur l'homme dans le passé, le présent et le futur. The gift of knowledge is when you receive a capacity to teach hidden things on man in the past, the present and the future. Ça doit être d'abord une parole qu'on est en train de proclamer. It must first of all be word that is being proclaimed. Le corps corruptible recevra l'incorruptibilité. The mortal body, the corruptible body will receive the immortal body. L'enseignement s'élève pour entrer dans les mystères cachés. The teaching rises to get into hidden mysteries. On sent que cette connaissance est profonde et révélationnelle. We feel that that knowledge is deep and revelational. Ce qu'il faut éviter ici, what you must avoid in this case, c'est le fait de confondre la révélation à la parole de connaissance. It is avoiding to confuse, to make an error, confuse between the revelation and the word of knowledge. S'il va pleuvoir demain, if it's going to rain tomorrow, et Dieu dit à mes enfants qu'il va pleuvoir, and God to tell my children that it's going to rain, ça c'est une prophétie. That is a prophecy. Si je n'entends aucune voix, if I hear a voice, et j'ai une connaissance, and I have a knowledge, demain, j'ai une connaissance intuitive qu'il va pleuvoir demain, that I have an intuitive knowledge that it's going to rain tomorrow, là c'est une révélation. That is a revelation. Si je reçois qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est malade, if ça I receive, c'est une révélation, ce n'est pas une parole de connaissance. If I receive that there is someone in this hall who is sick, that is a revelation. It's not a word of knowledge. C'est à ce niveau-là qu'il y a la confusion. Si tu dis que le fait de connaître qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle est une parole de connaissance, tu n'auras plus de définition pour la parole de sagesse. If you say that knowing that having a revelation that there's someone in the hall who is sick is a word of knowledge, then you no longer have the definition for the word of wisdom. Donc, il est bon de dire j'ai reçu une révélation, quelqu'un est malade dans cette salle et le Seigneur est en train de le guérir. Ça c'est vrai, c'est une révélation. You should say I received a revelation that there is someone sick in this hall and the Lord is healing that person. That is true, it is a revelation. Si je commence à dire le corps a plusieurs membres, if I start saying the body has many parts, mais le même esprit, but the same spirit, et que Dieu a donné les dons à chacun selon sa capacité, and that God has given the gifts to each one according to his capacity. Et puis il dit, il y a le don de sagesse, de sagesse, il y a le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Là, ça devient, c'est la combinaison de deux dons qui donnent déjà l'enseignement. And I say there is the gift of the word of wisdom and the gift of the word of knowledge. Those are already two gifts which are making up the teaching. Et quand tu lis les livres du frère Zach, tu sens qu'il avait les deux dons, la parole de sagesse et la parole de connaissance. When you read Brother Zach's books, you realize that he had those two gifts. The gift of the word of knowledge and the gift of the word of wisdom. Les gens disent seulement que les livres sont profonds, mais ils ne savent pas que c'était deux dons qui accompagnent toujours le ministère des prophètes. People say, well, the books are very deep, but they don't know that those are two gifts that always accompany the ministry of the prophet. Un enseignement comme le brisement des liens, ces deux dons ont beaucoup agi. A teaching like the breaking of evil ties, those two gifts acted so much. Je n'ai jamais été sorcier. I've never been a wizard. Mais quand je donnais l'enseignement pour la première fois, c'est moi celle qui savait que c'est la première fois que je dis ça. Les gens ne savaient pas. When I was giving that teaching for the first time, I was the only one who knew that that was the first time I was teaching it. No other person knew. Parce que je voulais enseigner sur... Je prends des exemples pour que ce soit clair. Je voulais enseigner sur la délivrance de l'emprise des démons. I'm giving the example so that you understand. I wanted to teach on deliverance from the grip of demons. J'ai reçu, non, il faut écrire délivrance des démons et de l'emprise des démons. And I received, no, you should write deliverance from demons and the grip of demons. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur l'envoûtement. And then the Lord started teaching me on bewitchment.
Il me dit que la sorcellerie n'est pas un esprit qu'on chasse, c'est un corps. And he said that witchcraft is not a spirit that is cast out, that it's a body. Et c'est à ce niveau-là que repose la révélation. And it's at that level that revelation is found. Que la sorcellerie est le corps du diable comme l'église est le corps de Christ. That witchcraft is the body of the devil as the church is the body of Christ. Et qu'il faut aller encore contre ce corps-là. Donc il faut au moins deux frères pour se mettre ensemble et combattre. And that you should go as a body against that body. So at least two brothers are needed to be able to fight. Donc il est facile de discerner, même à ton niveau. Si tu as ces deux dons-là, ou bien l'un d'entre eux, tu sauras. So it is easy to discern even at your level. If you have those two gifts or one of them, you know. Quand ces dons fonctionnent, tu reçois les choses avec une assurance que personne ne peut voler. When those gifts are at work, you receive things with an assurance that no one can steal from you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc il y a la révélation. So there is a revelation. C'est pour ça qu'on dit les dons relatifs à la révélation. So that's why we say gifts with regards to revelation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si Dieu te donne un ministère d'enseignant, if God gives you a ministry of teaching, il te donnera l'amour de la parole. He'll give you the love for the word. Et tu mettras aisément la parole en pratique. And you would easily put the word into practice. Mais si Dieu te donne le ministère prophétique, but if God gives you the prophetic ministry, il te donnera ces deux dons-là. He'll give you these two gifts. Et puis il va ajouter les visions et les rêves. And then you add visions and dreams. Ouais. Visions and dreams. Donc quand quelqu'un dit je suis prophète ou prophétesse, so when someone says I'm a prophet or prophetess, il ne faut pas qu'il pense au songe qu'il fait seulement. He should not only think about the dreams that he has. Il faut qu'il voit son attitude vis-à-vis de la révélation des mystères bibliques. He should see his life with regards to the biblical mysteries. Il faut connaître tes dons. But you must know your gifts. Et il faut accepter que tu vas te tenir avec quelqu'un. And you should accept that you will stand with someone. Il ne faut pas confondre la parole de sagesse avec la parole de connaissance. You should not confuse the word of knowledge and the word of wisdom. Et il ne faut pas confondre les deux avec la révélation. And you should not confuse the two with revelation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'ai vérifié, j'ai découvert que plusieurs commentateurs, avant j'enseignais sans avoir vu ça ailleurs, mais quand j'ai vérifié, plusieurs commentateurs définissent ces deux dons-là en mettant l'accent sur le fait que c'est d'abord une parole qu'on proclame, c'est-à-dire un enseignement qu'on donne, mais qui est enrichi par des révélations profondes sur Dieu lui-même. Et sur Dieu lui-même dans le passé, le présent et le futur. I used to teach this before having read from Bible commentators. But when I read, I realized that many of them emphasize on the fact that these two gifts are first of all a gift of the proclamation of the word, which is enriched by a revelationary knowledge of God in the past, the present, and the future. Et beaucoup de faux prophètes ont bouffer l'argent des gens avec cette affaire. J'ai une parole de connaissance pour toi. Tu vas mourir. Et toi, si tu trembles, tu lui donnes l'argent. Il dit, tu ne vas plus mourir. J'ai prié pour toi. Many false prophets have eaten the money of so many people. With these, I received the word of knowledge for you. Donc, I'm going to die, and then he brings the money and he eats it up. Quelqu'un peut organiser une séance de une rencontre rien que pour dire que oui, je te vois. Tu es habillé comme ça. C'est la parole de connaissance. Ce n'est pas ça, mes amis. Someone organize an entire meeting just to say, yes, I see you, you're dressed like that, and to say it's the word of knowledge. No, that is not it. Pose-toi la question. Ask yourself. Paul dit que il a reçu les mystères. Dieu lui a donné des révélations que personne ne lui a enseigné ça. C'est ça qu'on appelle parole de sagesse. Des choses qu'un homme n'a pas enseigné à Paul. Paul connaît ça, lui qui persécutait l'église. Il a appris ça quand? Paul said he received mysteries that no one taught him. And you ask yourself,
How did he get them? God himself taught him. S'il en parle, c'est parce qu'il connaît ces deux dons-là. If he speaks of it, it means because he knows these two gifts. Et il les a utilisés. And he used them. Et il a enseigné. And he taught them. Et l'apôtre Pierre rend de lui ce témoignage que Dieu a donné à notre frère Paul les choses que les gens ne comprennent pas, les choses difficiles à comprendre. Donc quelques-uns tordent le sens pour leur ruine. And the apostle Peter bears witness and says that God has given to our brother Paul knowledge that he has not given to others. And some people twist the sense behind it and they go to their ruin.